vous regardez ETV. Les répétitions vont bon train quelques jours avant la représentation Écrin de ville. Ce ne sont pas moins de 250 danseurs qui se produiront à travers cette nouvelle création du Centre de danse et d'études chorégraphiques Léna Blou. Donc voilà, le ballet, c'est vraiment un ballet d'espoir qui est sur la construction de la ville, mais on l'a travaillé de manière abstraite. Donc je pense intuitivement que ce sera vraiment un très très beau spectacle de très très bon niveau pour des amateurs depuis les petits, les 4 ans, que ce soit des enfants avec un corps difficile, des gros, des petits, des grands, des âgés, des ados. Vraiment, j'invite vraiment tout le public, toute la Guadeloupe à venir voir le spectacle. Ils vont être très contents et ils vont repartir heureux. Éveil, contemporain, jazz, moderne, technica, il y en aura pour tous les goûts les 20 et 21 juin au hall des sports Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre.